Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, il est 10h24. Ouais, c'est bien ça. Je suis en mode complètement fistique là. Je n'en peux plus. J'ai froid, mais j'ai tellement froid. Je n'en peux plus. J'ai hâte d'aller me foutre dans mon pieu, sauf que j'attends un colis qui vient par colis privé et que je sais pas du tout à quelle heure il va venir. Là, j'ai le facteur qui vient de m'en amener deux. J'ai fait trois commandes Amazon hier. J'ai recommandé une autre attelle pour Enzo, pour son épaule. L'autre, il faut que je la renvoie, mais comme j'ai une vente Vinted à préparer, je vais préparer ça aujourd'hui pour que chérie les dépose demain. À 17h, j'ai le kiné. Demain à 17h30, j'ai le médecin. Et mercredi à 9h40, Saint-Malo et Rennes. Ouais. Et donc, j'ai recommandé donc une attelle pour Enzo. Et je me suis pris un câble HDMI pour pouvoir utiliser l'appareil comme webcam pour faire les lives à double écran. C'est pas perdu puisque ça va m'être utile pour les live jeux comme celui de jeudi que j'attends avec impatience. Vous l'avez déjà eu donc je vous remets en barre d'infos. Ça sera une meilleure qualité que celui que j'ai fait vendredi. Enfin, j'en ai fait un pour tester pour me remettre sur OBS parce que j'avais pas testé le programme depuis des années à utiliser. Je vous remets également le live. Donc le live 1, c'est celui qui est déjà passé pour moi. Et le live 2, c'est celui que moi je fais jeudi. C'est deux live jeux. Il y en a un, c'est juste le test du programme. Et l'autre, c'est la découverte du jeu. J'ai trop hâte d'être jeudi. J'espère juste qu'il n'y aura pas de problème pour pouvoir faire la vidéo en temps et en heure. Voilà. Et j'ai recommandé aussi un câble de charge rapide pour Georges, puisque le sien est foutu. Voilà, tout simplement. J'attends encore une commande Temu plus trois commandes AliExpress. J'attends Temu et la première AliExpress pour vous faire le haul. J'ai deux commandes Temu et déjà d'AliExpress qui traînent en haut et ça m'énerve. Donc j'espère qu'il va bientôt arriver. Il y a vraiment des bruits étranges chez moi. Donc mon petit week-end, vendredi soir on a été avec les garçons, la copine d'Enzo et mon frère puisqu'il était tout seul. On a été dans un nouveau resto chinois qui a ouvert il n'y a pas très longtemps et que nous on n'avait pas encore testé. Et waouh. Alors il s'appelle le Galaxy Walk. Alors si vous êtes de la région, je vous le conseille à fond. Les décors étaient magnifiques, la bouffe était excellente, la qualité des produits était géniale. Le personnel était hyper accueillant, hyper souriant et tout, et on se faisait servir les boissons par un petit robot, les gens. Donc je vous affiche les petites scénettes, les stories que j'ai fait samedi le soir. Donc j'ai fait le test du live gaming sur le jeu que je suis en train de jouer en ce moment. Là je joue d'ailleurs, ça fait plus d'une heure que j'étais en train de jouer pour passer le temps. Parce que je suis tellement fatigué que j'ai déjà préparé mon lave-vaisselle, j'ai déjà rangé un peu le bordel, puisque il y a encore du bordel, hein, mais on a dû virer tout ce qu'il y avait dans le couloir, dans le petit couloir d'accès à la cave, pour mettre le carrelage, pour refaire la salle de bain, puisque on a été avec chérie chercher le carrelage samedi. Je vous affiche une photo de ce qu'on a pris. Voilà, on s'est pas trop cassé la nénette, hein. Ils avaient exposé ça, on a pris ça. Voilà. Et des galets pour mettre dans le fond de la douche, puisqu'on va faire une douche italienne. Ça changera de notre affreuse baignoire verte caca d'oie. Alors, il nous manque encore plein de choses, hein, puisqu'il y a encore le plafond, la paroi de douche, l'écoulement de la douche. Enfin, l'écoulement, on va dire ça comme ça. Le plafond, le meuble, le WC. Et le carrelage pour le sol que chérie va aller chercher tout à l'heure, puisqu'on va remettre le plus foncé qui est au mur, au sol. Je lui ai dit voilà, te casse pas la nénette, il était en promo, c'est le dernier jour aujourd'hui, donc je pense qu'il va aller chercher ce qui nous manque pour le sol en carrelage
tant que moi je serai chez la kiné. Parce que voilà, je lui ai dit, de toute façon, ça fera quand même une différence, puisque ça sera, le sol sera gris foncé, les murs gris clair avec une bande gris foncé et gris clair. Donc voilà, on a hâte de commencer les travaux, mais il faut que chérie prenne congé. Il faut qu'on ait tout le matériel et il faut qu'on casse toute la salle de bain. Donc ça, c'est un peu chiant. J'ai reçu une notif team, puis ça ne veut pas me dire que t'es... non, finaliser votre commande, mais non, j'ai 50 millions de trucs dans mon panier. Donc dimanche, j'ai refait des tests sur OBS pour... voilà, j'essayais avec mon appareil et c'est là que je me suis rendu compte que le câble que j'avais n'était pas du tout adapté. Chat, donc la copine d'Enzo, a fait ma colo. Comme ça m'évitait de lever mes bras et de me faire mal. Donc ça aide quand c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait. Au moins j'ai récupéré quelques années. Mm-hmm. Ça se voit pas avec ma tronche, mais avec mes cheveux un petit peu. J'ai à un moment j'ai tous mes jeux Steam qui se sont désinstallés, donc là j'ai eu peur parce que je me suis dit oh là là, je vais devoir tout recommencer à zéro, c'est juste pas possible quoi, c'est juste pas possible. Et le soir j'ai fait de la fimo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et donc là j'ai fait de la fimo, j'ai tourné une vidéo. Ce matin déjà j'ai déjà fait un montage, l'action que vous avez eu hier, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Parce que j'ai plus de retard dans mes montages et tout ça, donc c'est cool quoi. Voilà, là il me reste cette vidéo là à tourner. Une palette à make-up de mercredi à filmer. Le haul TMU pour samedi à filmer, parce que vendredi, du coup, je vais vous mettre un live Palia. Comme ça, je vous montrerai l'évolution après une semaine de jeu. Puisque moi, je vais certainement beaucoup jouer. C'est pour ça que je vais prendre de l'avance avec mes vidéos. Pour pouvoir geeker tranquille. Je me prends la tête. Bon, voilà mon câble. Donc, je pourrais tester ça sur... sur OBS, et j'ai même trouvé ce matin une vidéo pour expliquer comment utiliser mon GSM comme webcam aussi. Donc ce qui est génial, c'est que je pourrais me servir pour faire des lives ongles, résine, enfin vous voyez, tout quand je dois tourner et que je veux, que j'hésite toujours, que je vous mets toujours un sondage, genre si vous voulez voir mes mains ou ma tronche, et que c'est souvent ma tronche qui ressort dans des huit mon cendrier. Bah là, vous verrez les deux en même temps. Et ça va être trop. Voilà, voilà. Sinon, question santé, j'ai un petit peu des fuites nasales. Mais sinon, tout va bien. Mais sinon, je suis complètement gelée. Je n'en peux plus. Là, j'ai Riley qui me tient chaud les fesses. J'ai fait une heure de... C'est pour ça que j'ai joué. J'ai fait une heure à mon chauffe-nuque, là. Pour, bah, non seulement pour ma nuque, mais en plus pour me réchauffer tellement j'étais gelée, quoi. J'ai même eu froid de la nuit. Demain, quand je vais chez le médecin, il ne faut pas que j'oublie de prendre mon vaccin avec, sinon j'aurai un rire concon. Voilà, voilà. Cet après-midi, je ne vais pas faire grand-chose. J'aimerais bien faire un peu de résine, mais hier, j'ai pas eu le temps, parce qu'on a mangé tard en plus. J'ai pas eu le temps. Là, je fais de la poulerie ce soir, donc soit je commence à préparer tout dans l'après-midi, et après, je vais faire de la résine... le temps que je sois l'heure de souper, soit je vais faire de la résine après ma sieste et je fais à manger après, je sais pas. J'ai même pas fait sortir les chiots. Ah oui, après ma sieste, il faut absolument que je les fasse sortir aussi, donc je ne saurais pas aller faire de la résine cet après-midi. Donc peut-être ce soir, j'aurai bien dans quel état je suis. Mais hier, je me suis encore endormie dans le canapé jusqu'à 22h. Du coup, ben, je suis montée me coucher à 2h30, mais Riley m'a réveillée à 6h30. Donc, j'ai dormi 4h. Je suis en super forme. C'était ironique. Mercredi, chérie en congé aussi. Donc, ouais, la nuit, tu peux le faire mercredi. Mais... c'est parce qu'il faut que je vois pour mes vidéos make-up, puisque je dois tout rechanger sur mon bureau. Donc je ne sais pas. Je suis un peu... mais j'ai envie de faire de la résine.
Parce que j'aimerais bien refaire le dragon sur la lune, mais la faire en résine, pour que ça soit plus net comme la croix. Il faut que je refasse le wapiti de chat aussi. Je ne sais pas, je vais voir. Après, il y a plein de mots qui vont arriver là. Encore. J'en ai plein aussi que j'ai pas encore utilisé. Enfin, donc plein. J'en ai quelques-uns que j'ai pas encore utilisés. Mais pour ça, il faudrait que je filme le haul parce qu'il y en a que j'ai déjà utilisé alors que j'ai pas encore filmé le haul. Voilà. Je sais pas. J'aimerais bien refaire une boîte carrousel là pour mettre sur Vinted pour essayer de revendre ça. En ce moment, Vinted, je fais des ventes, hein, mais je fais que des toutes petites ventes et j'en fais pas beaucoup, donc c'est pas ça qui me rapporte beaucoup du chouchou. Hein. Ok, bah écoutez, à part ça, j'ai rien à vous dire. Moi, j'avais préparé le colis Vinted pour la madame, comme sa chérie le déposera demain en rentrant du boulot ou quand on va chez le médecin, je ne sais pas, en passant. Ça, on passe devant le point relais 50 fois par jour. Enfin, surtout lui, moi je sors pas beaucoup de chez moi. Le samedi, je n'en pouvais plus, j'étais épuisé. On a d'abord été une première fois chercher le carrelage, puisqu'on pouvait pas tout mettre dedans, hein, 600 kg de carrelage, on pouvait pas tout mettre dans la voiture d'un coup. Le deuxième voyage, il l'a fait avec Sam pour avoir plus facile pour charger dans la voiture. Après, on a été aux courses. Je pouvais plus. J'étais mais naze de chez naze. J'ai été à la sieste, il était 2h30 je crois, ou 3h. Quand on est rentré, le temps de ranger les courses et que je mangeais un bout. Je m'étais pris des sushis. Comment est-ce qu'ils appellent ça? Crunch là. Donc voilà. Ah oh, mais les sushis étaient bons. En plus ils les faisaient sur place quoi. Oh là là, au restaurant chinois là. Super bon, tout était super bon. Il n'y a que le wok. Que les, moi, je mange pas, hein, je mange jamais au truc à cuire, moi. Mais bien que mon frère a bouffé du steak et du canard juste au grill, là, il m'a fait goûter les deux, c'était excellent. J'ai jamais bouffé autant, enfin, depuis mon opération. J'ai mangé, mais comme une grosse cochonnette, j'ai pris trois assiettes. Bon, après, mon genre d'assiette, hein. Des petites assiettes, mais j'ai mangé, j'ai goûté tous les sushis, j'ai goûté un peu tous les trucs qu'on n'a pas dans l'autre restaurant où on va habituellement. Les desserts, oh là là, les desserts, mais qu'est-ce que c'était bon et qu'est-ce que c'était beau et le choix qu'il y avait. Il y avait tout, il y avait des bah, y a les trucs là qui font avec le bubble tea, les boules de bubble tea là. Il y avait des macarons, des donuts, des éclairs, des mousses. Il y avait chocolat noir, enfin chocolat classique, chocolat blanc, fraises, pistaches. Il y avait des flans, pareil, chocolat, vanille. Hein. Il y avait les glaces, les bonbons, les fruits. Il y avait des tartes entières, des gâteaux entiers à se découper une part et tout. Incroyable, c'était vraiment incroyable. Alors il est plus cher que l'autre où on va, enfin que tous les autres d'ailleurs, du coin. Il est quand même 4 euros plus cher par personne, mais le prix les vaut largement. Quoi. Franchement, on n'a vraiment pas été déçus. À part pour le wok qui était trop mouillé, il restait plein de jus dans l'assiette des hommes et ils n'ont pas apprécié. Mais le teppanyaki était bon, les grillades étaient bonnes, les sushis étaient excellents. J'avais un orgasme. Moi. À chaque fois que je goûtais un truc, j'avais un orgasme culinaire. Oh, c'était trop bon. Voilà. Donc ça, c'était le week-end. Et je n'ai rien d'autre à dire. Je crois. Me semble-t-il. Donc sur ce, on suit de jour. Alors, je suis en train de regarder parce que mon appareil ne veut plus enregistrer quand je le mets en caméra. Donc là, je l'ai mis sur automatique. Parce que comme j'ai réglé pour l'HDMI, et donc d'abord il est 11h40, il est 10h47. J'étais en train de piquer du nez devant YouTube, alors j'étais en train de me dire, oups, j'ai pas encore vlogué. Donc du coup, j'ai reçu mon câble HDMI hier, donc micro HDMI et HDMI. J'ai testé sur OBS et ça ne fonctionnait absolument pas. Voilà. Donc j'ai été voir sur internet. Et en fait, il faut une carte
Donc vous devez brancher votre micro HDMI avec une sortie HDMI classique et acheter un adaptateur pour convertir l'HDMI en USB. Heureusement, c'était 7 euros, donc je l'ai commandé, je l'attends, il arrive aujourd'hui. Je vais quand même aller à la sieste, parce qu'en principe, il vient tard, et s'il me livre que ça, de toute façon, il le mettra dans la boîte aux lettres. J'essaye de surveiller, voir si j'ai ma commande Temu qui arrive aujourd'hui, puisqu'elle a quitté la douane depuis quelques jours, donc elle devrait plus tarder. J'ai reçu une première AliExpress. Ah, je suis en train de me casser et de crouler sous mon bureau. Donc je vais attendre le reste pour filmer le haul, puisque de toute façon je vais alléger les plannings vidéo. Je me mets une trop grosse charge de travail qui n'est pas indispensable, puisque de toute façon je ne suis pas comment dire, c'est pas mon salaire quoi, hein. Donc je vais allerger. Oh là là, je suis fatiguée, hein. Et j'ai chez le médecin ce soir, j'ai super mal dormi. Pour ça d'habitude quand j'ai chez la kiné, je dors super bien après, et là j'ai super mal dormi. Dans deux dodos, il y a le jeu qui sort, je suis trop contente. Moi je vais supprimer les vidéos du samedi. Bah, pas pour l'instant, parce que là il y en a quelques-unes qui sont programmées, mais je pense que je vais commencer ça en septembre, et comme ça quand je veux faire un live, bah, j'ai le vendredi de dispo, j'aurai qu'à décaler la vidéo au samedi, et voilà, puisque en septembre on va pouvoir reprendre les lives un peu plus réguliers, il y aura un peu plus de monde. J'ai mal à l'œil. Explosé. Pour ça, je suis rentrée un peu plus tôt hier. Je suis rentrée à une heure. Une nuit et demie, une heure. Mais j'ai eu du mal à m'endormir. Et Ryan m'a réveillée à 6 heures parce qu'elle devait sortir pisser. Ma femme est partie chez sa copine. Enzo devait travailler de nuit, donc il est parti hier bosser et puis ils l'ont renvoyé parce qu'il n'y avait pas de boulot. Donc il doit quand même y aller encore ce soir au cas où. Faut pas que j'oublie de prendre mon vaccin avec ce soir chez le médecin, parce que si j'y vais pour faire mon vaccin et que j'ai pas le vaccin, c'est un peu concon. Donc voilà, j'ai rien de spécial à vous dire. Ce matin j'ai déjà filmé une vidéo Fimo. Donc il me reste les make-up à tourner et le concours que vous aurez samedi pour vous. Le concours des 11 ans et le haul Temu et AliExpress pour le samedi 26. Mais ça, il faut que j'attende de recevoir le reste de mes commandes. Il n'y a qu'à l'article AliExpress. Ah, je vous dis, j'étais en train de piquer du nez devant vos PC. Là. Je suis sur la chaîne. Attendez, d'abord j'achève ce que je disais avant. Donc il n'y a qu'un article AliExpress que je suis pas sûr d'avoir à temps, quoique apparemment je crois qu'il est déjà aux douanes. Et donc voilà, c'est le lit pour les chichous en cochon. Et là dans ceux que j'ai commandé pour les titis, il y en a un qui sera pour les chichous parce qu'il est trop con. Bref, donc vous aurez le concours le 19 et je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, la chaîne. Je suis sur Iboussage. Et j'arrête pas de me dévorer leurs vidéos depuis hier. C'est tout des top 20 de ceci, de cela. Top 20 vidéos effrayantes. Top 20 enfants, etc. Enfin, je ne vais pas dire étranges, parce que les enfants ne sont pas étranges, mais qui ne naissent qu'une fois par millier d'années, qui disent. Des trucs trouvés sur les plages, incroyables, enfin, tous des top 20 de tous ces hiboux, un hibou, sage, très sage. Et voilà, je dévore ça. Hier, j'ai testé Black Desert, ça fait plusieurs fois que je vois les notifs, enfin, que j'ai les pubs sur YouTube.
Et c'est vrai que les graphismes sont hyper beaux, donc c'est un MMORPG, hein. Là c'est carrément de la baston. J'ai pas accroché, donc j'ai testé quoi, une demi-heure même pas. J'ai désinstallé. Oh, je suis désolée, hein. Là je vais manger et je vais aller me pieuter, comme ça je suis réveillée pour quand, si jamais j'ai mon colis qui arrive. La fimo que j'ai tournée ce matin ne tient pas debout, donc il faut que j'aille voir en haut dans mon bureau après un truc pour le stabiliser. J'aurais dû plus aplatir le fond, mais je vais trouver une solution, hein, comme je l'ai dit. Quelqu'un qui a fait des travaux. On a une interdiction de stationner tout le long de la rue, mais quand je vous dis tout le long de la rue, c'est tout le long de toute la rue, hein, donc sur des kilomètres. De 8h à 17h, jusque encore demain, parce qu'ils vont refaire les bandes blanches dans la rue, et il y a une voiture qui n'a pas bougé là depuis 2 jours. Donc je suis en train de prier pour voir quand la dépanneuse va venir. Voilà. Ça lui apprendra à se garer juste là devant et ne pas bouger, alors qu'il y a un parking, parce que c'est une voiture des appartements, qui a un parking, deux parkings pour eux. Et voilà. Je vais sortir les chichous ce matin, c'était le bordel. Riley, elle est toujours infernale. Et c'est tout. Ouais. J'ai froid. Je n'en peux plus d'avoir froid. Je suis gelée. J'ai même pas fait ma chaleur encore. Je suis épuisée. Oh. Il faut que je dorme pour. Ouais, pas m'endormir chez le médecin tout à l'heure. Je parle de mes intestins aussi parce que j'ai des boules aux intestins. Enfin, je pense que c'est les intestins, mais des fois, c'est ce que j'étais en train d'expliquer à Manon. Des fois, soit quand je me penche ou ça arrive, c'est aléatoire en fait. J'ai comme si j'avais une crampe dans les intestins, que ça faisait une boule comme ça, comme un nœud en fait. Et ça fait une boule dans le ventre et c'est hyper douloureux. Et ça, il faut que je lui en parle parce que ça fait 2 fois que j'y vais et que je n'en parle pas. Donc, j'aurais pu lui parler de ça. Maintenant, si elle me prescrit une coloscopie net, j'en ai déjà eu une, c'est bon. Il faudrait que je reprenne rendez-vous pour ma gastroscopie de contrôle aussi. J'ai plein de rendez-vous médicaux à prendre. C'est pas évident avec monsieur qui fait beaucoup d'heures, c'est congé au sauté parce que, comme le directeur est en arrêt maladie, le directeur a fait un arrêt cardiaque. Et il arrive en vacances. Il a fait un arrêt cardiaque en vacances, en arrivant en vacances. Donc il a passé ses 3 premiers jours de vacances en soins intensifs. Et là, il est rentré chez lui. Donc bah, il délègue. Hein. Et il délègue auprès de qui? Ben, monsieur. Donc voilà. Bref, sur ce, bah, écoutez, on peut switcher 2 jours. Comme ça, tout à l'heure, moi, je pourrais tester l'HDMI. Je vous dirai demain si ça fonctionne. Pour. Enfin, de toute façon, vous avez déjà eu le live, donc vous le saurez. Et voilà. Moi je vais manger et aller me coucher. Donc, ensuite. Bon, je vous prends rapido dans le bureau. Je viens de filmer 2 vidéos, dont le concours et ce make-up que vous aurez mercredi. Et il est 9h49. Je vais aller nourrir mes chiens parce que je suis à bout. Mais j'ai attendu que monsieur emmène Georges chez l'ORL pour commencer à filmer. Et voilà, sinon, rendez-vous chez le médecin hier, petit bilan, donc j'ai le bras complètement défoncé avec le vaccin, j'ai super mal, dès que je lève le bras, je hurle, et donc je lui ai demandé pour mes intestins, là, qui se tortent, que ça me fait des boules et que ça me fait super mal, Riley, tais-toi, et elle m'a dit, en fait, c'est des crampes à l'abdomen. J'ai des crampes tout le temps dans les pieds et dans les mollets. Et elle m'a dit que c'était des crampes donc, ben, dans le ventre, tout simplement. Donc, je dois prendre des compléments de vitamine B, puisque j'ai déjà du magnésium. Et après, je devrais prendre du Zafranax, puisque ça cumule et le B et le magnésium. Et je dois prendre des contractants musculaires pour le ventre, pour essayer de, ben, de détendre les muscles et éviter qu'ils fassent des crampes. Donc, je dois faire une cure de ça. Et voilà. Donc, on va déjà essayer de soigner ça avant de voir pour le reste.
Parce qu'elle voulait me prescrire du Xanax pour quand j'ai des crises de nerfs. Enfin, c'est pas vraiment des crises de nerfs, mais il y a des moments où je suis totalement à bout de nerfs, alors qu'il n'y a aucune raison, hein, mais je suis totalement sur les nerfs et les gosses me disent, mais ça, t'es insupportable. Bon, après, j'ai pas besoin d'être sur les nerfs pour être insupportable, on est d'accord, mais je le suis pire, je m'en prends à tout le monde en fait. Et elle me dit, vous voulez pas du Xanax pour essayer de, ben justement, quand vous avez ce genre d'énervement que vous n'avez pas trop pour tout. Pourquoi? Pour vous calmer. J'ai écouté, le seul Xanax que j'ai pris dans ma vie, c'est quand j'ai dû me faire opérer, quand ils m'ont fait l'ablation de l'utérus. Hystérectomie, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour le cancer de l'utérus. Et ça a fait l'effet inverse. J'étais totalement euphorique. J'étais en pleine forme. Alors c'était censé me détendre parce que je stressais pour l'opération. Et ça n'a pas marché du tout. Ils rigolaient, les infirmières, parce que j'étais en pleine forme. Elle m'a dit, oui, ça arrive. C'est rare, mais ça peut arriver à certaines personnes qu'ils fassent l'effet inverse. Donc, pas de chance, c'est tombé sur moi. Elle dit, on va peut-être éviter parce que je ne veux pas être responsable d'un meurtre dans votre famille. Donc, voilà. Bref. Demain, il y a le jeu qui sort. Donc, il faudra demain que je prépare tout le live. Hier, j'ai un petit peu tripatouillé à OBS pour faire un peu les pré-réglages et tout ça. Il y aura juste qu'il faudra que vous me disiez pour le son. Donc, si jamais vous l'avez pas vu, je vous l'ai mis déjà en barre d'infos. Et enfin, je vous ai déjà dit que j'allais le mettre en barre d'infos, je ne l'ai pas encore fait, mais me dire si le son est correct. Bon, il y en a beaucoup qui me le diront pendant le live. Pour pas que le son du jeu soit trop fort pour vous, que moi je l'ai aussi, parce qu'en fait je dois mettre mes écouteurs. Enfin, c'est tout un bordel. Donc ça, ça sera vraiment une question de réglage. Et comme je vous ai dit, je voulais faire un live le vendredi d'après pour voir l'évolution du jeu après une semaine de jeu. Maintenant, ben, j'aurai déjà eu moi la réponse, puisque je le ferai demain pendant le live pour moi. Voir si vous préférez ça. Ou on m'a demandé aussi comment je faisais les détails pour la résine. Genre le petit pot. Ben, vous, ici, vous ne l'avez pas encore vu, mais je l'ai posté sur Instagram et sur TikTok. Le petit pot avec les chevaux, là, le petit manège. J'ai fait les chevaux en multichrome et tout ça. Et on m'a demandé comment je faisais pour ajouter des détails dans la résine, en fait, puisqu'on ne peut pas la peindre après, hein, c'est beaucoup trop lisse. Il y a peut-être moyen avec des peintures spéciales, je ne sais pas, hein, je ne m'aventure pas, je ne connais pas assez. Mais du coup, voilà, pendant le live, je vais vous demander si vous préférez l'évolution du jeu ou celui-là. Et on peut refaire une évolution du jeu de toute façon après, ou la résine après, quoi, hein, vous voyez. Puisqu'on là, on va reprendre un peu les lives tous les 15 jours, je pense. C'est pour ça que je préfère les programmer le vendredi, parce que le vendredi, en principe, j'ai rien. Je fais rien. C'est souvent le samedi qu'on a des imprévus. Donc, voilà. Là, je vais attendre que monsieur et Georges rentrent de l'ORL. Ce qui n'est pas pour tout de suite, puisqu'ils vont aussi passer au World Sport pour voir pour un sac d'école pour Georges et puis des petits trucs comme ça. J'arrive encore à s'acheter des baskets. Enzo vient de partir, je ne sais nains où. Il ne m'a pas prévenu. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'attends de voir si je vais recevoir mes colis, mes dernières commandes. Là, AliExpress est ému. AliExpress, ça n'a pas l'air que ce soit pour aujourd'hui. Sinon, le suivi se serait déjà mis à jour sur l'application Bpost. Et ouais, non. Et Temu, il faut que j'aille voir, mais ça va se mettre que vers midi. Donc voilà. Après, je vais faire de la résine. Bref. Donc, bah écoutez, sur ce, on suit ce jour. Alors, il est 10h06. Je regarde le focus, après, il va se faire super bien. Pourtant, je suis en autofocus. J'ai tous les changements, les réglages de mon appareil qui merdent. Parce que pour essayer de mettre mon appareil en webcam, du coup, ça merde total et je suis tout floute. Je suis tout floute. Allez, des floutes. Donc, j'ai accès au jeu à Palia. Donc, je vais faire le live à 11h30. Le temps que j'ai, que je fasse ce que j'ai à faire. Ça sera avec cette tronche-là. Hein, voilà. Là, j'ai déjà nourri les chiens. J'ai fait rentrer les chichous. C'était un enfer. Oh, les filles, elles ont rien écouté. Pas moyen de les faire rentrer. Chaque fois qu'il y en avait une qui rentrait, l'autre, elle ressortait. Que vous avez juste envie de les mettre à la broche dans le four.
Donc voilà, moi je vais faire mon petit live tantôt à 11h30. Alors il y aura certainement pas grand monde, mais j'ai pas envie d'attendre pour jouer. D'ailleurs, j'ai déjà créé mon perso. Puisque j'ai lancé le jeu, enfin l'installation du jeu en me disant bah comme ça, j'aurais plus qu'à attendre que les serveurs ils s'ouvrent tout à l'heure, qui était censé être à 19h. Et finalement, ça devait être. C'était maintenant. Mais j'ai tout de suite, ça me perturbe. Pourtant, j'ai le cadre qui est bien centré sur moi. Je suis en autofocus, mais attendez, je vais essayer de changer. De me le mettre en manuel. Mais non, il veut pas. Hein. Je sais pas pourquoi je suis floute comme ça. Bref, écoutez, hein, heureusement qu'on est en vlog. Il faudra que je regarde pour les réglages. Si je le mets en automatique. Attendez. Voilà. En automatique, hein, désolé, mais pas trop le choix, sinon je suis floute et ça me perturbe. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ouais, j'ai trop hâte de jouer, mais j'attends également le facteur, donc tu devrais plus trop tarder. Parce qu'il m'amène mes deux commandes AliExpress. Donc moi je vous tournerai le haul. Il me les amène aujourd'hui. Je voulais le tourner ce matin avant de jouer ce soir. Mais comme je peux jouer, ça sera, je tournerai le haul demain. Que vous aurez vendredi. En plus du deuxième live Palia. Voilà. Parce que je me dis que c'est sympa les live jeux. Comme je disais dans celui que j'ai fait pour faire le test. Au moins, je fais quelque chose en même temps qu'on papote, quoi, vous voyez. Je suis pas là à rien faire, enfin, à rien faire, entre guillemets. Et la prochaine fois, on testera de faire soit de la résine, soit les ongles, ou un truc comme ça, parce que il faut que je trouve une astuce. Soit que je trouve un deuxième téléphone pour faire avec les deux téléphones, parce qu'avec l'appareil... En fait, le problème de l'appareil, c'est qu'il se recharge pas quand je le branche sur le PC. Et du coup, bah, la batterie... elle tiendra peut-être pas forcément pour tout le live. J'essayerai quand même, puisque j'ai le câble, hein, mais comme ça, à savoir que si jamais la vidéo de ma tronche coupe, ça sera parce que je n'aurai plus de batterie. Ou alors, il faut que je trouve un deuxième téléphone qui a juste un accès à Internet, un Wi-Fi, et une caméra d'assez bonne qualité. Si chérie change son téléphone, je récupérerai le S8. Pour faire ça, parce que c'est juste pour filmer en fait à deux écrans, enfin live, faire des lives à deux écrans, parce que filmer à deux écrans je sais le faire, puisque je prends mon téléphone et mon appareil et ça je mets après au montage, là il me faut les deux qui tournent en même temps, donc je verrai bien. Mais donc là ouais, le vendredi 18, donc vous aurez la vidéo au AliExpress plus le live Palia. Et je pense que le 1er septembre on se fera un live ongles ou résine ou je sais pas. Je ne sais pas du tout, je verrai bien. Donc voilà, voilà pour ma petite journée. Je vais la passer à jouer, faire ma sieste. J'ai mon haut Temu aussi qui arrive aujourd'hui. Enfin ma commande Temu. Ma dernière commande Temu. Au départ, je voulais regrouper les deux, faire Temu et AliExpress. Sauf que bah, ça va être beaucoup trop long et je ne pourrai pas vous mettre les liens en barre d'infos. Donc, parce qu'il y aura beaucoup trop de liens. Donc, je vais faire AliExpress et je ferai Temu et Shein. Je crois que c'est ça que j'ai fait une commande Shein. Non, au Temu et le haut Shein le 2 septembre. Moi, j'ai pas. C'est une toute petite commande. Hein, genre, j'ai commandé 3 ensemble. Moi, j'ai commandé 3 paires de pantoufles et puis 2-3 petites babioles. Ça sera vraiment un tout petit haul, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de haul Shein. Et genre, j'aime bien faire les try-on Shein avec vous. Donc, on filmera ça quand on aura reçu la commande. Je ne sais pas trop dans combien de temps. Donc, voilà. Là, j'attends le facteur. J'ai déjà pendu mon linge. J'ai tout préparé pour le live. Je me suis occupée des titis. J'ai nourri les chiens. Alors pour le live, j'espère qu'ils ne vont pas être trop déchaînés. J'espère que Ryan va vouloir monter.
J'ai été réveiller Sam aussi, puisqu'il devait se réveiller pour aller chez sa copine. Et alors moi, cette nuit, hier soir, je suis montée à 8h30, à 20h30, parce que j'avais mal le crâne. Je suis montée me coucher, sauf qu'à minuit, je me suis réveillée, bien évidemment. C'était à prévoir. J'avais plus mal le crâne, mais alors j'étais en pleine forme. Donc, je suis restée réveillée jusqu'à 3h moins quart. Et là, je suis remontée me coucher. Riley, tu te calmes? Ça va être tendu avec le live avec elle. Je suis remontée me coucher à 3h moins quart, sauf qu'à 5h, Miss Singuette, là, en train de pleurer à côté de moi, pendant 3 quarts d'heure, j'ai dû la caresser pour qu'elle se rendorme. Et après, elle m'a laissé redormir jusqu'à 7h. Donc voilà, par contre la sieste, ben, je la ferai une fois que j'aurai, je vais faire le live pendant une petite heure, je pense. Riley! Mais il faudra que je fasse la sieste dans le canapé, puisque j'attends colis privé pour ma commande Temu. Bien que logiquement, il arrive après ma sieste. Il faut que je vois à quelle heure je me couche, sinon je prends la sonnette avec en haut, je ne sais pas encore, je verrai bien. Et puis voilà, j'ai trop hâte de jouer. Du coup, ouais, vous ne verrez pas la première cinématique, mais on la voit beaucoup circuler sur internet de toute façon. J'ai créé mon perso, j'ai pas pu me retenir quand j'ai vu que le jeu se lançait et que je ne trouvais pas pour quitter en fait. Voilà, voilà. Donc c'est un jeu multijoueur, donc vous pouvez me retrouver en ligne et on peut jouer ensemble, sauf que je ne sais pas encore comment vous devez me rechercher et je ne sais pas pour voir pour le choix des serveurs. Donc ça, je ne sais pas encore. Mais voilà, dans le live, la rediff du live, je vous noterai en dessous mon pseudo. En fait, vous pouvez choisir un nom complet pour votre perso. Donc moi, je l'ai appelé Missy Evelyn, hein, pour avoir plus facile à me retrouver si jamais on cherche par là. Et son pseudo, ce sera Riley. Voilà, parce que je ne voulais pas l'appeler Missy, ça devient un peu con-con. Quand c'est des jeux que je joue toute seule, c'est Missy, mais faut pas réfléchir. Mais quand c'est des jeux en ligne, c'est quand même un peu plus mignon. Voilà, bref. Eh bien, écoutez, moi, dans une heure, je vais préparer tout pour le live. J'espère que le facteur va arriver avant. Normalement, il vient vers 10h30. Donc, là, est-ce qu'il y a une... Là, c'est marqué entre 8 et 14h. Donc, c'est qu'il est... Ah, ben, ça va, il est en bas de la rue. Enfin, plus tardi. Normalement, il vient vers 10h30. Donc, je filmerai le rôle à l'express demain, du coup, parce que là, j'ai trop envie de jouer, de découvrir le jeu. Donc voilà, si jamais vous êtes gamer, c'est un MMO, donc massive multiplayer, online, voilà, c'est un jeu en ligne, et je vous ai dit mes pseudos pour me retrouver. Voilà, il y a juste que le serveur, je ne sais pas encore, je regarderai peut-être un peu après le live, et comme ça je vous noterai ça dans la rediff, chipoter un peu. Le live, j'aimerais bien garder pour vraiment voir les décors et tout ça, la jouabilité. J'ai déjà changé les commandes aussi, parce que ça c'est le premier truc que je fais en principe, pour avoir les commandes de tous mes jeux pareil, pour pas m'en mêler et devoir réfléchir. Voilà, bon, bah écoutez, sur ce, je pense qu'on peut déjà switcher le jour. Ouais, donc on se voit demain pour le planning des vidéos et la couture. Alors, il est 9h22. Là, je vais donner à manger à mes hanches. Il est 6h qui s'est planqué dans sa boîte pour manger. Je suis gelée, encore une fois. Il fait pas très 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 chaud. Il y a un petit peu de soleil, mais ça réchauffe pas. 14 degrés encore. Qu'est-ce qu'il prévoit pour aujourd'hui? On va faire un petit point météo. Ah, il prévoit quand même... Oh, jusqu'à 28 degrés. Incroyable. C'est possible, ça? Bon, en même temps, hier, il prévoyait à peu près la même chose, soit une vingtaine de degrés, et on a eu 14 toute la journée. Et il y a douché aussi encore. Donc, hier, j'ai passé ma journée sur mon jeu. Aujourd'hui, je vais absolument faire la même chose. Je crois que je vais faire ça tout le week-end, de toute façon. Moi je peux tourner qu'à partir de mardi parce que là il y a la copine d'Enzo qui est là et c'est assez bruyant. Déjà quand ils sont à deux c'est bruyant, mais quand ils sont tous les trois là c'est encore pire.
Donc voilà, moi je dois tourner le haul AliExpress que vous aurez vous samedi. J'ai reçu ma dernière commande, enfin mes deux dernières commandes. Et le haul TMU, vous aurez le samedi d'après. Et après, ça sera en chiffre. Donc pour le planning, c'est l'Alphabet Challenge J pour lundi. Une palette à make-up avec la Midnight 42 de Beauty Bay mercredi. Vendredi, si tu vois bien, un live. Laisse-les tranquille, Riley. Un live sur le jeu pour voir un peu l'évolution. Je verrai. Je vous garantis rien parce que si ça lingue encore comme j'ai fait jeudi, enfin hier pour moi, c'était affreux, c'était un enfer. Mais le 18, il y a le concours des 11 ans de la chaîne. Je l'ai décalé. Oh! Ça aurait été trop beau, une journée où je baille pas. Je l'ai décalé à vendredi. Comme ça, samedi, je vous mets le haul AliExpress vu que j'ai un petit battement pour le tourner. Et dimanche, le vlog. Et voilà. Je sais plus c'est quoi le fameux challenge J. C'est quoi le J? Ah oui, jardin. Voilà. Ben écoutez, c'est tout pour ce vlog. Il sera assez court, j'ai l'impression. C'est chiant, mais après, il s'est pas passé grand chose cette semaine à part la sortie du jeu et mes rendez-vous médicaux. Donc voilà, on se fait chier. Et on sera dans merde, Titi. Heureusement que Silver a pas peur d'elle. Silver ne l'attaque pas à travers les barreaux, mais alors les trois autres, c'est même plus de l'attaque. Il vole dessus. Pour finir avec un petit bye-bye. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser ça pour ce vlog. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous mets en barre d'infos le lien du parrainage du jeu. Voilà, puisqu'il y a un système de parrainage pour gagner des items. J'en ai déjà fait un, donc j'ai gagné le bonnet. Seul planeur hein, qui m'intéresse, c'est forcément celle dernière, donc n'hésitez pas. Et voilà, donc si jamais vous jouez, mon pseudo en jeu c'est Missy Evelys, donc vous devriez avoir assez facile à me retrouver. M'envoyez pas des demandes d'amis à l'arrache, parce que j'accepte pas les demandes d'amis à l'arrache, donc prévenez-moi par mail ou en privé sur Instagram pour me donner votre pseudo, que je le valide, quoi, parce que sinon il y a des demandes d'amis à l'arrache non-stop et c'est trop chiant. Bref, là je vais aller donner à manger au chien et je vais pouvoir geeker. J'ai mangé un bout aussi, j'ai faim. C'est rare que j'ai faim le matin, mais là j'ai vraiment très faim. Donc je vais manger un bout. Voilà, donc sur ce, moi j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.